Bonjour, bienvenue dans cette heure pour découvrir Spectrobe. Je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble, donc. Mais déjà la musique est bien épique sur l'écran titre, donc c'est déjà un bon signe. J'ai touché l'écran tactile comme il m'a demandé de le faire. Est-ce que ça va être un truc qui va être. Qui va me demander plus l'écran tactile que l'écran supérieur? Non, hein. Je vais devoir changer tous mes trucs. Config voix. Bonjour. Bonjour. Où est le micro sur... Ah, voilà. Si je parle normalement, ouais, ici ça a l'air d'aller. Paramètres CWF Nintendo. Nouvelle partie. Ok. Ouh. Est-ce que je vais encore me faire flaguer la vidéo par une société d'animation japonaise? Oh, Gina, c'est notre première mission depuis longtemps. On n'a pas le droit à l'erreur. Oui, Ralen, mais à qui la faute? On n'a rien fait d'intéressant depuis un moment, car tu m'as... Le travail est toujours fait et bien fait. Waouh, génial, cool. Ralen... Ok. Information sur votre nouvelle mission. Eh bien, ça m'intéresse. Par contre, le son est un peu trop fort chez moi. Je vais essayer de le diminuer. Voilà. Alors, nous avons détecté un objet non identifié en provenance de l'hyperespace. Il est tombé du ciel et s'est écrasé sur Daichi, la deuxième planète de Nanairo. Vous devez trouver cet objet et nous le rapporter afin que nous puissions l'analyser. Ok. À vos ordres. Suivez les ordres à la lettre. Oui. Pourquoi j'ai l'impression que... Voilà. Sur au-dessus 1 sur 5. Bon, par contre, le truc est sur l'écran tactile, donc... Est-ce que j'avais un truc où les écrans étaient inversés? Non, je ne pense pas. Ça, c'est pour l'écran supérieur de la 3DS. Ça, c'est pour avoir les deux fenêtres en une fois. Et ça, c'est écran supérieur, écran tactile. Tu as compris, Ralen. Ok, donc déjà, lui, il se fait... Il s'est déjà engueulé dès le début, c'est magnifique. Tu te prends pour le commandant. On approche de Daichi. Ok. Ah, il pleut. Eh ben, c'est bien, au moins ça a une atmosphère. Je suppose. Je ne sais pas trop comment ça marche, en fait. Ralen, à toi de jouer. Descends à terre et essaye de localiser l'objet que nous devons trouver. Si tu tombes sur quelque chose de bizarre ou d'étonnant, appuie sur le bouton A pour l'étudier. Appuie sur le bouton A pour parler aux personnes que tu rencontres. Ok, je compte sur toi pour me couvrir du vaisseau. Me couvrir du vaisseau, qu'est-ce qui... Quoi? Ok. Bonne chasse, bah oui, bah allons-y. Bon, ok, je suis sur l'écran tactile, donc je vais faire un rapide... Switcheroo. Hop. Voilà. Et puis. Hop. Voilà. Parce que si on a fini par avoir des trucs plus souvent sur l'écran tactile, vaut peut-être mieux qu'ils soient en grand.
Ça, c'est l'avantage de faire un truc sur un émulateur, c'est que on peut faire en sorte que ça, que l'émulateur mette directement en premier plan le l'écran plus important qui est utilisé. N'oublie pas d'utiliser la zone de soins si tu as soigné et sauvegardé. Oui, d'accord. Je vais sauvegarder, ne t'en fais pas, là là. Si j'appuie sur Start, il ne se passe rien, non. Veux-tu te soigner? Oui. Veux-tu sauvegarder? Bah oui, allons-y. Sauvegarde en cours, ne touche pas à la carte mémoire. Et ça c'est quoi? C'est l'ascenseur qui mène à la zone de recherche, d'accord, ben voilà, il juste répond à ma question, oh là là. Ah oui, en effet, il pleut. Et là, il n'y a plus de musique. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas de musique dans le dans l'Overworld. Je me balade. Oh, un truc qui brille. On dirait que c'est pile à la taille de mon poignet. C'est l'Omnitrix, c'est Benten. Tout a commencé avec un mystérieux bracelet. Allen a trouvé un prismode. Elle est pile à ma taille. Tu as trouvé quelque chose? Ah, c'était bien l'objet. On dirait la capsule de secours d'un vaisseau. Il y a un vieil homme à l'intérieur. Il est vivant. Ouais, il aurait peut-être fallu... Ouais, il semble pas si vieux que ça. Appelons-le Monsieur X. Oula, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe en effet? Une immense tornade noire se dirige droit sur moi et se déplace comme si elle était vivante. Ah! Oui, ça a l'air plus mauve que noir, mais ok. Ok, commande en combat. Bouton L, action spectrobe de gauche. Bouton R, action spectrobe de droite. Manette plus, déplacer Ralen et les spectrobes. Bouton X, attaque Ralen. Bouton A, maintenir enfoncé pour charger la jauge d'énergie. Bouton B, changer d'arme. Bouton Y, changer, attaque chargée. Select, se replier pendant un combat. D'accord, ok. Et Start n'utilise à rien. Utilisez bouton L et R pour diriger les spectrobes et vaincre les Crawls. Ok. Bats-toi! J'utilise L et R, mais... Ouais, le A, c'est l'attaque chargée, donc là, je reste enfoncé. J'appuie sur L et R, mais je ne sais pas ce que ça fait, en fait. Ah oui. J'appuie sur R, il attaque. Ok. J'appuie sur L, le truc de gauche attaque. Ok. Et avec X, moi, j'attaque aussi moi-même. Mais ça fait moins de dégâts que mes spectrobes. Ok. Allez. Défoncez ce truc vert. Je lui ai donné un beau coup de poing. Je me prends aussi beaucoup de coups, mais j'ai 125 PV, donc si je me prends 8 par 8, ça devrait aller. Bon, allez-y, les gars. Ok. Ok, lui, il fait un truc autour de lui. C'est bien. Parce que le allié R, là, il fait une roulade, mais s'il est pas, si on vise pas bien... Hein. Ok, là, j'ai bien visé parce qu'il vient de toucher deux en même temps. Et j'aime bien lui donner des coups de poing quand même. Bon. Allez, boum. Ok, d'accord. J'ai eu du mal à réaliser mes déplacements, en fait. Mais ça va. Augmentation de minergie. Eh bien, très bien.
Ok. Spag et Zoag. On monte. Ah non, c'est pas des G, c'est des... Ah, c'est peut-être pas des G, c'est peut-être des 9. Donc c'est SP à 99 et ZO à 99. Niveau 10, niveau 8. Et puis il y en a un qui est d'élément vert et un qui est d'élément rouge, on dirait. Et j'ai gagné 150 gras. Ralen, reviens! La clepsydre! Qu'est-ce qui passe? Tout va bien. Oui. C'est... Mes coups n'ont pas eu d'effet sur ces choses. Mais si, ça leur faisait un PV. Ne désespère pas. Mais les créatures qui ont bondi cet appareil à mon poignet les ont anéantis. Eh oui. Je ne sais pas s'il va bien, mais il est vivant. Son cryo-compartiment le maintient endormi. Ok, bon, ça va. Pourvu qu'il se réveille, j'aimerais savoir. Ah, ben voilà. Soyons patients. Boum, il se réveille. Voilà. Il se réveille, mais est-ce vraiment son nom? Où suis-je? Vous vous souvenez? Oui, déjà. Aldous. Je suis Aldous Dumbledore. Système de Diurna. Ok. Le système a soudainement disparu il y a 16 ans de ça. Quoi? Disparu? Ah, ça veut dire que t'es en cryogénisation depuis 16 ans ou alors que t'as traversé un trou de verre. C'est trop tard. Non, impossible. Trop tard, pourquoi? Pour sauver ma planète et mon peuple des Krolls. Des monstres mangeurs de planètes. Ils ont monstres mangeurs de planètes, mais ils se sont fait défoncer par des roulades. Hein. Notre seul espoir est de trouver le seul moyen de les anéantir. Les Spectrobes! Les Spectrobes, mais ces créatures archaïques n'existent plus. Haha, c'est ce que tu pensais, mais je suis en train de jouer au jeu des Spectrobes. Il ne doit rester que des fossiles aujourd'hui. Ah, j'avais donc raison, il y a des fossiles dans le coin. C'est là que les fossiles arrivent. Oui. Et les Minirocs, il y a aussi des Minirocs. Ces trucs enfouis dans le sol et qui ressemblent à des pierres précieuses, il y en a des tonnes. Magnifique. J'ai réussi, j'ai trouvé le système stellaire d'origine des Spectrobes. Mais je suis arrivé trop tard, Diurna a été entièrement détruite par les Krolls. Je ne comprends pas, que sont les Krolls et comment ont-ils détruit Diurna? Par où commencer? Par le début. Les Krolls sont des parasites malfaisants qui dévorent les étoiles et les planètes. Ils se déplacent par tornades appelées les Vortex Noirs. Ça alors, je viens justement d'en affronter une, ça pourrait être un Kroll. Et tu l'as battu? Impossible! Tu n'aurais pas pu survivre à une attaque des Krolls. Ou de la brasse. Ou du papillon. En fait, ces créatures ont bondi de cet appareil à mon bras et ont vaincu la tornade pour moi. Oh, mon prismode, tu as réussi à t'en servir? Je crois. J'en sais rien. Écoute, si les créatures que tu as vues sont sorties d'un vortex noir, ce sont des Krolls. Et les créatures qui ont jailli du prismode dans ton poignet, ce sont des Spectrobes. Oui, des Spectrobes. Ça fait 2 minutes qu'on en parle, hein. Je sais pas si tu crois. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les Krolls. Si tu les as vus ici sur Nanairo, ça veut dire qu'ils ont décidé de détruire ce système. Vous devez réveiller les Spectrobes et vous préparer à vous battre. Réveiller les Spectrobes, se battre, mais c'est de la folie. Et comment nous faire? Ayez confiance, je peux vous apprendre rapidement. Oui, est-ce que vous ne devriez pas faire un rapport aux autorités avant? Genre juste comme ça, hein. Il y avait un type qui s'appelait le commandant qui avait l'air de vous donner des ordres. Il faut une source d'énergie, puis utiliser la puissance du vaisseau. Non. Non, pas du tout. Bonjour, Joëri. C'est genre, non, d'abord on va appeler les autorités. Ralen attend ici dans le vaisseau. Bon ben, je vais m'entraîner au Spectrobe alors. Appuie sur le bouton X pour activer le Prismode. Utilise le stylet pour naviguer dans les menus du Prismode. Oui, bien sûr, c'est un jeu DS. Touche l'option état pour consulter l'état des Spectrobes dans le Prismode. Ouais. J'appuie sur X. Objet, dossier, état, GP combat. Modifie les objets que Ralen utilise et remplace le Spectrobe employé durant le combat. État. Bon. Ralen a perdu des PV. Enfin, ils ont tous perdu des PV. Info. Trifouet. Un CH nécessaire. Spycan fouette l'ennemi avec sa queue et provoque 3 ondes de choc. Ok. Et lui ? Turbivolé.
Bonjour Potter, Shin Megami Tensei 2000 Kids. Eh ben peut-être, hein, qui sait. Est-ce qu'il y a un jeu Shin Megami Tensei sur DS? Un siège nécessaire. Zozan, c'est un Zozan. C'est les trucs qu'il y a sur les routes pour empêcher les voitures d'aller trop vite. C'est un Zozan. Tourne rapidement sur lui-même et retombe sur ses ennemis. Ouais, ouais, il fait une roulade quoi. Iralen, j'ai pas le droit de faire info pour voir ce qu'il a. Alors. Objet. Il n'y a rien. Waouh. C'est vide. Dossier. Ok, donc là c'est mon Pokédex, d'accord. Eh, regardez en haut à gauche de l'écran tactile. C'est Praiselix. Oui, ah oui. Tout fonctionne parfaitement. Eh bien oui, je viens. Oh. J'ai appuyé sur L sans faire exprès. Ah ouais, d'accord, donc en fait il m'a dit d'appuyer sur X, mais je pouvais appuyer sur L aussi. Ok, mais c'est pas grave. Allen, prends ce fossile, tu en auras besoin. J'ai obtenu un coma pod. C'est un pod qui te met dans le coma. Tu dois maintenant utiliser le labo derrière moi pour le réveiller. Réveiller. Active d'abord le labo, clique sur fossile dans la chambre de réveil, parle-lui, tu réussis à prise mode, ta voix ne devrait donc pas permettre de réveiller les spectateurs. Ah, ça se réveille à la voix, d'accord. Son panneau de contrôle est vraiment bizarre. Ok, cool. Activer le labo. Eh bien oui, je pense que c'est ça que le jeu va me faire faire. Formation. Configure grâce au prise mode les spectropes qui accompagnent Ralen sur le terrain. Incubateur. En donnant des mini-rocks aux spectropes, tu les fais évoluer et tu les entraînes. Consulte la liste des spectropes, des accessoires ainsi que dans la description. Et réveillez, voilà. Parlez aux fossiles pour réveiller et transformer en spectrope. Voyons ça. Coma pod. Est-ce qu'il faut que je leur parle vraiment avec le micro? Bonjour. Il faut que je parle. Ah, il faut que je parle assez fort pour que ça reste au-dessus pendant 3 secondes, d'accord. J'aurais dû faire ah. Mon dieu, on dirait Stitch. Je vais l'appeler Stitch. Voilà. Ouvre le menu formation et touche rechercher pour choisir le spectrum qui t'accompagnera. Ok. Je vais faire ça. Du coup, est-ce que Spectrum c'est juste un jeu ou alors ça vient d'un autre truc ou est-ce qu'il y a eu des dessins animés ou des choses ainsi? Touche recherche pour. C'est le menu choisira le Spectrum qui m'aidera dans mes recherches. Ah oui! Donc il y a le spectrum de combat et il y a le spectrum de recherche. D'accord, ok. Je vois. C'est un jeu, ils en ont fait un animé de mémoire. Ok, d'accord. Bon, et ben voilà, j'ai réveillé Stitch. On peut leur donner des noms, donc voilà. C'est déjà un meilleur jeu que Bakugan, je suis désolé. Il est trop mignon, oui bien sûr. On va dire ça comme ça. C'est bien ce que je pensais, tu peux communiquer avec eux. J'ai tout de suite perçu ton pouvoir quand j'ai vu le prismote dans ton poignet. Cette petite bébête qui va m'aider à battre les crawls. Oui, attends, vu sa mâchoire, vaut peut-être mieux essayer de l'appeler comme ça. Non, à son réveil, un spectre reprend sa forme jeune, il est comme un nouveau-né. Les jeunes ne peuvent pas se battre, mais ils sont très utiles. Alerte! Alerte, travail des enfants. Ils peuvent t'aider à trouver les fossiles et les mini-rocks enfuis. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Ok, touche le... Donc là, c'est le gameplay, donc je vais arrêter de me foutre de la gueule du jeu.
Touche-le lorsque tu trouves un objet, touche-le pour le déterrer. Ok. C'est génial. Ryland, ça pourrait nous aider dans notre travail. C'est quoi votre travail déjà? Parce que le seul truc que j'ai vu, c'est que vous deviez aller chercher un objet. Vous avez trouvé un objet, vous avez toujours pas dit à votre commandant c'était quoi l'objet que vous avez trouvé, donc. Oui, voilà, en plus Ryland, il a raison là. On avait dit de suivre les ordres et rien d'autre, ça te dit quelque chose. Mais ça n'a rien à voir, ça rentre complètement dans le cadre de notre mission. Hmm. Les grandes zones scintillantes indiquent la présence de cubes enfuis. N'oublie pas de les déterrer. Mais que contiennent-ils? Des morceaux de Zygarde? Ah non, c'est pas ça. D'après la légende, les cubes renferment des secrets très anciens sur les spectrobes. Leur valeur est inestimable et sont indispensables. Touche-les pour les déterrer. Ok. Vas-y, scan. Y'a rien? Y'a rien par ici? Y'a rien. Est-ce que je peux parler à Stitch? Stitch, est-ce que je peux te parler? Non. Ah, il faudrait que j'appelle un spectrope Viscuse, comme ça je pourrais faire toucher Viscuse. Bon, je vais me soigner et sauvegarder parce que on m'a bien dit qu'il fallait que je sauvegarde. Bon, par contre, pourquoi la boîte de texte avec veux-tu sauvegarder, elle est si lente? C'est bizarre. Genre, le reste du texte n'est pas comme ça. Mais... Pense utiliser le spectrope pendant tes recherches. Toujours un, trouver des mini-rocs, des fossiles et des cubes. Oui, ok, d'accord. Allez, partons à la recherche. Oh! Touche le spectrope avec le stylet pour qu'il scanne le sol à la recherche des choses en fiche. Je sais, ça fait 3 fois que tu me le dis! Lorsque tu touches un spectrope, il scanne toute la zone située à sa portée. Si le spectrope trouve quelque chose, l'endroit où tu dois creuser est indiqué. Si le spectrope trouve un point d'excavation, touche-le avec le stylet pour creuser. Ok. Ok, d'accord. Ah bien, allons-y! Je vais explorer cette planète. On va voir si on va trouver des trucs. Ah! Une tornade. Je ne veux pas me battre. Je veux juste trouver des trucs. Dégage, tornade. Dame New Alberi. Oula. C'est l'Explora Kit, en fait. Ah oui, d'accord. Une lune. Oh, je n'ai pas réussi à récupérer le truc. D'accord. Ok, je me fais agresser de tous les côtés, mais c'est pas grave. Bon, alors. Ouais, allez-y. Vas-y, roulade. Boum. Magnifique. Et tiens, boum, petit coup de poing. J'adore le petit coup de poing. Il est tellement faible, mais ça, c'est juste marrant. Je pouf, prends un PV. Tiens, prends ça, t'as de morve. Voilà. Ah merde, j'ai attaqué alors que. Voilà. Avec le cooldown sur les attaques, faut pas trop spammer. Le gant, c'est là, on appuie support, tu tapes vite et tu repousses. Oui, ok. Je vois. Augmentation de mini-agi, ouais. Génial, il y aura. Bon, du coup, maintenant que la tornade m'a laissé partir, il y en a une autre. Tu te fous de moi? Bon. Une Triforce! J'ai déterré le mini-rock Force C! Pas mal! Oula! Je n'ai pas. Ah! Je ne sais pas si je dois me dépêcher ou pas en fait. J'avais cru que je devais me dépêcher un moment. Je ne sais pas quels sont ces outils, enfin.
Je vois un truc 70%, 72% là en bas. Je ne sais pas. Est-ce que quand on atteint 100, c'est foutu? Parce que il y a. Non, j'ai pas réussi à le déterrer. Bon, autre part, c'est pas grave. Allez. Je veux trouver des trucs. Près de ces rochers, est-ce qu'il y a des choses? Ah, une tornade. Ah, tu as été bloqué par la... Par le truc, tornade. Est-ce que c'est... Non, c'est... Une lune. Et ça c'est quoi? Ah oui, je fais. Et ça c'est pour faire un peu. Stitch. Allez. Trouve-moi des trucs, Stitch. Yeah, ici, il y en a un. Ok. Oh, un combat. Fais le contour et prends la petite pour faire dessus. D'accord, ok. Aïe. Roulade. Allez. Faites-moi un combo. Brrr. Non, d'accord. Allez. Ah, il s'est... Il s'est pris beaucoup de dégâts quand même. L'allié de gauche. Victoire. Parfait. Merde, j'étais trop dessus, c'est ça? J'ai trop appuyé dessus. Je fais très vraiment petit à petit. Mmh.
Qu'est-ce qui me manque? Oups. Parce que, genre, j'aimerais bien savoir. C'est quand que ça foire, quoi? Quand ça atteint 100%? Quand la barre, là, niveau 1? 4 mètres? Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, ça... Ah, d'accord, donc quand récup se met, je peux ramasser, ok. Je vois. Bon, continuons à explorer. Est-ce que par ici il y en a? Genre, on dirait bien. Ce serait bien, bien caché quelque part par ici, non? Non. Où sont-ils? Je sais que j'en ai raté 25, mais quand même. Ah, il y en a un là. Ok. Ok. Ok, là on commence à... Ok, je vois du vert. On dirait qu'il y a une grille en dessous. Ah. Je veux pas que ça fasse bip. J'ai l'impression que c'est mauvais quand ça fait bip. Je peux faire une signature. Ouais, en fait, le vert, c'est une fois que c'est la couche la plus basse, d'accord. Je peux pas le récupérer. Ah, récupérer, oui. Yeah, j'ai eu un spipod. Parfait. Ok. Je vais continuer mon exploration. Oh, encore un. Ok. Oula. Ok. Qu'est-ce qui me reste à trouver, enfin à dégager comme là, comme ça. Non, là c'est bon. À l'intérieur peut-être, ouais. Yeah, je le ramasse. Voilà. Vilipode. Parfait.
Oui, le bouton ramasser, en fait, il est bien. Je ne suis pas satisfait. J'en veux plus. Oh, une tornade. Allez, une tornade. Let's go. Ça fait... Pour changer un peu. Je me bats. D'accord. Boum. Allié 2. Hop là. Celui-là a l'air de faire plus de dégâts. Mais bon. Évidemment, si je le fais attaquer dans le vide, ça ne va pas aller. Va-t'en. Va-t'en. Boum. Yeah. Allez, une roulade. Boum. Roulade, vas-y. Et maintenant... Ok, d'accord, ça a pas marché. Victoire. Yes. Magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose près de cette arche? Oula! J'ai changé de zone en fait. Je vais très doucement. Je suis à 83%. Ah oui, ah, il est. C'est un poisson en fait. Boum, voilà. C'est du pod. Ah, est-ce qu'on me contacte? Ralen, as-tu pu déterrer des fossiles? Oui, j'en ai 3, je pense. 2 ou 3. Je ne sais plus. Vite, apporte-les-moi au vaisseau pour que nous puissions les réveiller dans le labo. Ok, d'accord, je reviens. Ah ! Je me suis fait surprendre par une tornade. Mais j'ai plus beaucoup de PV là. Ça commence à m'inquiéter. Faut que je fasse plus attention. Voilà. Je reste à distance et je leur balance des roulades. Hop là. Mais s'ils veulent trop s'approcher. Non, dégage. Reste loin de moi. Non. C'est quoi? Tu veux vraiment être tout près, toi? Prends-toi 18 dans la tronche. Non, dégagez. Dégagez. J'ai plus que 5 PV. Oui, alors il a fait une roulade, il a amené l'ennemi vers moi, c'est marrant. Ok, recommence. Ouais, voilà. Plus tard, tu obtiendras des attaques combo avec tes Spectrum. Ah, cool. Yeah, victoire. J'ai intérêt à aller vite au labo parce que j'ai plus que 5 PV.
Je pense que c'est par là. Ah, encore une tornade. Oh, saleté. Allez. Il faut y aller. Genre, très 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 défensivement, très doucement. Je ne veux pas qu'ils s'approchent de moi. Par contre, ils peuvent s'approcher de lui. Ah! Il a tué la panthère jaune. Non, non, ne m'attaque pas. Non, ne m'attaque pas. Dégage, dégage. Ah ! Défaite. Bon, et est-ce que j'ai mes objets quand même ? Oui, bah il a 0 PV, donc je suppose que oui. Enfin, je sais pas. Mais bon, genre, ça aurait été sympa de me soigner quand même. Méchant jeu. Bon, allons retrouver les autres au labo. C'est quoi 25%, 0% et 50%? Bon. Oh. Magnifique. Oh. Vilipode. C'est plus dire là, on peut pas, je peux pas juste gueuler et faire oh voilà ça marche. Oula. Voilà, c'est 1000 pattes. Oh. Lui, je vais l'appeler Fléau. Voilà. On peut mettre même des symboles, c'est marrant. Fléau. Voilà, je n'ai plus de fossiles à réveiller. Collection. Il y en a combien de Spectrum ? Menu hack. Consulter ce soir. Les statistiques des Spectrum. Modifie le nom des Spectrum. Et la liste est... Ah, c'est ça que bon. Ah oui, il y en a 22, mais... Mais oui, d'accord, ils évoluent chacun 3 fois. Ok.
fléau. Un œuf, 1000 pattes. Magnifique. Et si je fais formation, qu'est-ce que... Ouais, donc ça c'est les recherches. Ils peuvent pas encore... Je vais garder Stitch alors pour l'instant. On n'est pas retiré la carte DSA. Bien sûr. Non, je m'en fiche de la capsule de secours d'Aldous. Je voulais parler à Aldous. On va chercher des cubes. Ok, d'accord, je vais... Ah, il faut que je trouve les trucs qui brillent de la couleur de l'arc-en-ciel, d'accord. Parce que j'ai trouvé les fossiles et j'ai trouvé des... Des mini-rocs. Mais j'avais pas trouvé des arcs-en-ciel. J'y retourne donc. Ah, il y en a un là. C'est pas un arc-en-ciel, mais c'est pas grave. Très doucement. Dégage cette partie-là. Non, c'est... On va faire un peu de nettoyage. Voilà. Yeah, je le récupère. Voilà. Une fois que ça arrive à 95, c'est bien. C'est un chapod. Bon. Je suis continué à explorer de nouvelles zones. Non, je ne voulais pas appuyer sur L, non. Voilà. Hop. Voilà, par ici, peut-être qu'il y aura ce qu'on cherche. Bon, non, mais il y en a quand même des trucs à creuser, donc je vais creuser. Oula. Ah oui, si j'atteins dans le rouge, ça augmente la barre. Et si la barre va trop loin. Faut être très 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 délicat. Et récupérer le truc. Voilà. Le mini-rock sans TC. Sans TC. On va faire une... Peut-être un jeu de mots avec ça, mais je n'en vois pas comme ça. Bon, est-ce que sur cette zone plus aride, il y aura des arcs-en-ciel? Je suppose que si c'est aride, il pleut pas et il n'y a pas d'arc-en-ciel, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah ah! C'est le cube, j'en vois, je le vois. Ah oui. Yes. Oui, je le ramasse. Le cube gamma. Grâce à gamma. Bon, tant que j'y suis, il y a aussi d'autres trucs, donc je vais les déterrer.
Ah, est-ce que je l'aurais pas déjà celui-là? Yep, 95% et un chapod. Ah bah oui, voilà, ça je l'ai déjà, mais je l'ai pas encore réveillé celui-là, je pense. J'ai encore appuyé sur L sans faire exprès. Faut que j'arrête de mettre mon doigt sur ce bouton. Ok. Ça, c'est censé avoir quelle forme ce truc? Encore une sorte de lune? Ouais, on dirait bien. Ah. 83%. Ah, ouais. D'accord. Là, le bout est ici. Voilà. Santé B. Ah, il y en a encore un? Ah oui, il y en a encore un. Bon, bah alors. Ok. Avec des coups, des petits coups comme ça a l'air de bien fonctionner. Hop. Défense B. Je suppose que ça va être, me permettre de booster. Bon, j'ai eu un cube, je vais aller voir ce qui me veut avec ça. Oups, je peux pas sauter. Ah, non. Foutu tornade. Je me bats, d'accord. Tiens, prends ça. Bon, ce machin là, il n'a plus beaucoup de PV. Ah, 24, il est... Ah non, c'est mon Spectrum qui s'est pris 24. Celui-là, il a plus que 5 PV, je vais le tuer au gant. 1 2 3 4 KO! Voilà. Je voulais me venger du combat que j'ai perdu. Allez, coulade-moi ça. Voilà. Et puis il en reste un. Boum, victoire. Yeah. Et je gagne. Oh, j'ai eu un sérum simple. Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'ai eu. Allez. Non, je sais qu'il y a une tornade, je l'ai vue. Oh, une deuxième. Ah, où je dois aller? Je me suis fait prendre en embuscade.
Ce n'était pas par là que je devais aller? Je ne me souviens plus. Je ne sais déjà plus où est mon vaisseau. Une autre tornade. Ah, c'est par ici. Yeah. Le vaisseau. Une sauvegarde, déjà. Oui. Veux-tu sauvegarder? Oui. Oui. Bon, voyons ce qu'on peut faire avec un cube gamma. Mais je m'en fous de cette capsule de secours, Zé. Là, voilà. Hé, c'est un cube! Ma capsule me permet d'analyser son contenu. Tu as découvert un cube gamma, ça je savais déjà. Il contient des informations sur la façon de faire monter les spectrobes en niveau. Ah! Si un spectrobe mange assez de mini-rock pour remplir sa jauge, il gagne un niveau. Eh bien, je ne savais pas... Ça... Il y a 128 niveaux en tout, c'est bien. 128, c'est 2 exposant 7, donc c'est bien. Les spectrobes sont encore plus mystérieux que je ne le croyais. N'hésite pas à utiliser ma capsule si tu veux revoir certaines informations récupérées. D'accord. La capsule possède maintenant un menu cube où sont stockées des données. Waouh! Appuie sur le bouton A quand tu es à côté de la capsule pour lire les cubes. Oui. Essaye de trouver d'autres fossiles à déterrer. J'ai vraiment hâte de voir les formes évoluer. Dépêche-toi et fais de ton mieux. D'accord, ok, d'accord. J'ai compris. Je vais aller déterrer des fossiles. Je vais errer comme une âme en peine juste pour déterrer des trucs. Bon, j'ai découvert la plupart du truc, on dirait. Oh, je le casse un peu trop là. J'arrive pas à voir en fait où les parties que j'ai pas encore. Ouais, c'est par ici. Si tu veux être plus RP, tu peux souffler dans le micro pour retirer des débris, c'est vrai. Magnifique. Ça c'est un jeu de qualité. Je m'approche un peu trop de la limite, là ça me fait un peu peur. Ok. Ouf. Spipod. Tu. Ah merde, non, ça marche. Voilà. J'ai déterré Chapod. Bon. Je vais aller réveiller ces deux-là pour voir à quoi ils ressemblent. Et puis ce sera la fin car l'heure est terminée.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Et on s'en fout de lui. Hop. Voilà. Oui, activer le labo. Réveiller. Alors. J'ai trois chapodes et un spipod. Voyons ce que chapod donne. Oh. D'accord. C'est une épée et c'est sur son nez, donc ça va être épné. Par contre, ce clavier est en QWERTY et ça me stresse fortement. Bon, bref. Allez, Spipod, vas-y. Oh. J'ai pas voulu faire trop fort là parce que. Mais j'en avais déjà un de Spipod. Je l'avais déjà fait. C'était le fléau. Donc, je vais t'appeler. Fléau 2. Voilà. Bon, c'est de l'autre. Deux autres, j'ai pas besoin de les voir. Moi. Allez, je vais donner des mini rocks à mes trucs. Corona, Aurona, Aurora et Flash. Waouh. D'accord, mais. D'accord, ok, mais je ne sais pas ce que tu me veux en fait, ce menu, et j'ai pas envie de chercher. Donc, pardon, c'est pas ce que j'ai eu tout à coup. Donc, c'est la fin de cette heure pour découvrir. C'est. Bon, c'était forcément dans un RPG, une heure c'est toujours vraiment juste la base. Mais ouais, ça peut être chouette comme truc. C'était intéressant de voir ce que c'est. Et puis il y avait Stitch, donc c'est toujours bien Stitch. Mais sur ce, c'est la fin de ce stream. Merci à tous de l'avoir regardé. Et on se retrouve peut-être une autre fois pour un autre stream. Au revoir.